Bonsoir. Vous allez bien? Ok, eh ben écoutez, je suis épuisé. Nous sommes vendredi soir, je me lève très tôt demain matin. Donc il y a des chances pour que je fasse pas long feu ce soir. Et la musique est déjà là. Le jeu tourne derrière là et la musique est franchement. On va passer une bonne soirée. Elle met l'ambiance, la musique, là. Écoutez, on change pas de rituel, hein. Je balance les messages à droite, à gauche. Vous commencez à avoir l'habitude. Et puis, voilà, c'est le temps que ça se mette en route. Comme ça, s'il y a du monde qui se ramène, ça leur laisse le temps d'arriver. Moi, ça me laisse le temps de me chauffer un peu la voix aussi. Là. Moi, je vous annonce que ça va être compliqué ce soir. Hein. Je suis à ramasser à la petite cuillère. Mais bon. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Hop, on est tout bon? J'ai l'impression. Ouais, la musique, elle envoie du lourd. Alors, j'espère que c'est pas trop fort chez vous. Faut le dire, hein, parce que comme je m'amuse à jamais streamer les mêmes jeux deux fois d'affilée, je suis obligé de refaire les réglages à chaque fois. C'est pas toujours évident. Hop, bon bah écoutez. Oh là 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 là, ça va être dur. Ça va être dur, dur. Bon, allez. Sans plus attendre. Je propose qu'on s'y mette. Alors, comment je vais faire ça? Là. Ah, j'allais dire, la fenêtre, elle fonctionne pas ou quoi? Ok. Oui, parce que comme d'hab, hein, j'installe le jeu à l'arrache avant de le lancer, et puis ensuite on se lance. Donc comme d'hab, hein, complètement à l'aveugle, je ne sais pas ce qui m'attend. D'après Steam, c'est un RPG mode tour par tour avec des stats, des levels, enfin un truc très classique. Et apparemment une musique qui défonce sa maman. Et ça fait plaisir. Donc voilà, on va lancer ça tranquillou. Yay, un mode. You will die a lot. Bah écoutez, on va se. Ah oui, mais alors c'est le vrai mode. Ah oui, ok. Donc là, on est tout seul. Là, c'est le mode facile. Allez, on va prendre le facile, mais pas trop, comme ça. J'ai pas très envie de die a lot. Ça me tente pas des masses. Et c'est écrit très petit. Donc j'attends de voir si c'est pareil dans le jeu. Mais si c'est écrit trop petit. Ah ouais! Ok. Ok. Yay, les tutos. J'ai des souvenirs de Crusader Kings là déjà. Si vous voulez désactiver le tutoriel. Ah bah non, j'ai pas très envie. Pas très envie, il faut qu'on apprenne. Bon, en tout cas, ça ressemble à un écran de création de personnages de RPG. Y'a pas de soucis, j'ai l'impression d'être sur Baldur's Gate presque. Machin, gender et apparence. Et ben go, Gaius, un homme, c'est Tipar. Comment qu'on s'appelle? Je m'appelais comme je m'appelais dans Morrowind à l'époque. Je m'appelais Herpès Labial. Apparence. Ouais, bah on n'a pas des masses le choix. Allez, le barbu.
Et maintenant, le but du jeu, c'est de faire en sorte que ton perso ressemble à ton portrait, parce que sinon t'es... Ouais, bah c'est pas avec les 5 presets qu'on va aller très loin. Avoir une beubar, s'il vous plaît. Ah non, des vaches. Pas des cheveux. Oh putain. J'ai mal barré, hein. Là, comme ça. Couleur. Ah, la couleur des vaches. Comme ça, c'est très bien. Une beubar, ça oui. Ah bah voilà, ça ressemble. Soit. Ah, les stats. 16 points de stats. Ah oui, et puis je vous ai pas dit, hein, mais je suis toujours un peu moins fatigué, mais je suis toujours enrhumé, donc ça s'est pas arrangé. Initiative, les compagnons. Ah oui, ok, donc ça c'est les compagnons, très bien. Et donc si on met des points comme ça, ok. Eh ben, je propose que la magie, on s'en foute. Ou alors, vu qu'on sait pas trop, allez, 3 followers, ça paraît bien. Comme ça, on sera 4. Je sais toujours pas ce qui nous attend dans le jeu, hein, donc on y va complètement au pif. Intelligence, on s'en tape, on fait un gros bois. Je dis, on fait un gros bois. Perception, allez, 1 pour dire 2, là, comme ça. Pas trop mal là, je pense. Ça, c'est un point par truc. Allez, plus de points de vie, comme ça on se pose pas. Comme ça on fonce dans le tas. Du coup, quoi donc? 80 fucking points. Ah non, ça va par 15, ok. Ouf! J'ai cru qu'on n'était pas sorti du sable. Alors, dague, main, marteau, à quoi on joue? Épée, genre la base. J'aimerais bien marteau si on arrive à mettre la main dessus. Des armes de loin, allez, un point en lance et crafting, c'est quoi crafting? On n'en sait rien. Bon, allez, vas-y, on y va au pif, et puis comme ça, on sera bon. Dodge un peu, bloque beaucoup. Genre beaucoup, beaucoup. Ou plus épais. Allez, plus épais. Comme ça. Et à 10 points. Et ben, comme ça, plus là. Ah, coup critique. On peut mettre 2 x 5 avec 10 points. Bon, allez, pas chercher midi à 14h. Ok, weapon and defense, two skills, et ajouter plus de niveaux au fur et à mesure qu'on avance. Et ben je n'ai fait. Ah oui, 3 et 3. Ils disent 2 chacs. Bon. Allez, on s'en fout. Ces sont toujours contre vous. Très bien. Cependant, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi prendre l'avantage en utilisant les différents outils que le jeu vous propose. Tout est important, le type d'attaque, l'arme, l'armure et les objets de soutien comme les filets ou les potions. Et même le positionnement. Ouais, je sens que ça va être costaud. Alors, une fois que vous avez déterminé à... Hein, ah d'accord, ok. Ah oui, ok, les points de vie, ensuite ça bouge plus. Et bah, si on voulait plus de points de vie, c'était le moment. Tout ça, à la limite, ça va. Allez. Hop. À mon avis, on va se faire défoncer. Je sens que ça va être le genre de jeu bien hardcore. Où soit t'es à fond, soit t'es tout pourri. Et pour l'instant, je vote tout pourri.
Votre aventure démarre dans l'ombre poussiéreuse d'une mine, d'une prison dans une mine, à bien des lieues du moindre village. La deuxième chance. C'est quoi, c'est le nom de la. Ah oui, d'accord, ok, c'est le nom de la prison. La deuxième chance, comme dans deuxième chance de devenir un membre productif de la société, est la plus crainte de toutes les prisons ou camps de gladiateurs. Une fois le joyau d'une riche série de mines de fer, les galeries ont été épuisées et tout le minerai extrait depuis bien longtemps. Vu qu'il n'y a plus vu que les esclaves ne servent plus à rien, les prisonniers qui y travaillent s'échangent tout ce qu'ils arrivent à récupérer en pierre et tout ça pour un peu de nourriture. Vous avez déjà essayé de. Vous avez déjà fait l'expérience de vous avez déjà essayé de résister aux gardes. Vu que vous avez déjà tenté de résister aux gardes, vous ne cherchez pas plus loin quand on vous balance dans une cage suspendue au-dessus de la galerie principale. Les barreaux se ferment, le claquement d'un fouet indique à une paire d'esclaves de faire tourner la manette, et enfin une roue quoi, et la cage commence sa lente et grinçante descente. Oh, allitération en sente quelque chose. Un aller simple pour l'enfer vous attend. Et au-delà des feux brillants, des visages qui hurlent, et au-delà, et vers la noirceur des niveaux inférieurs. Même pas peur. C'est tout ce qu'ils ont envoyé, dit l'un des hommes. Alors évidemment, je dois faire toute la narration, donc on va y passer un moment, hein. Sans poser la question à quiconque en particulier, j'avais demandé 5 hommes. 5. Comment est-ce qu'on est censé continuer à extraire du minerai si on ne nous donne pas assez d'hommes? Y êtes-vous? Je suis Barca, et j'ai le même portrait que toi, nous nous ressemblons. Et ceci est mon royaume, ce qui fait de toi mon loyal sujet. On s'en fout, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains de mes hommes refusent de travailler, et si nous envoyons moins de minerai, ils nous envoient moins de nourriture. Si on a moins de nourriture, on a moins de. Enfin, les ouvriers sont de moins en moins contents. Tu vois le problème. Montre-moi ce que tu sais faire, et ensuite on en parlera un peu plus. Marcus, va avec lui, regarde de quel bois il se chauffe. Un homme costaud, on va dire, fait un pas en avant. Il porte un vieux tablier en cuir comme armure, et il porte un marteau. Notre arme, ça, c'est le marteau. Un marteau de pierre. J'ai besoin d'armes et d'armure. Tu vois un magasin où que ce soit? Demande Barca. Je vais te donner une arme. Oh, trop aimable. Mais il faudrait que je fasse un roleplay. Quelle voix on lui donne à Barca? Non, allez. Oh, un viewer, bonsoir. On essaiera de faire du roleplay ou d'inventer des voix au personnage un peu plus tard. Là, pour l'instant, je suis enrhumé. Voilà, ce sera lui. Barca, il sera enrhumé. Je vais te donner une arme, mais il faut que tu te fasses ta propre armure si tu veux t'en sortir. Il ouvre un grand coffre de bois et regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, on a mis le plus de points en épée, donc go. Barca vous donne une vieille arme. Enfin, l'arme de votre choix, et un couvercle de tonneau. Ça fera un beau bouclier si tu en as besoin. Et ben go, avec notre bouclier en bois, waouh! Caméra, il y a deux modes de caméra, suivre ou libre. Très bien. Du set de caméra dans les options. Et ben, ok. Oh, on peut déplacer la caméra. On peut tourner la caméra. Non, ça c'est un coup à se retrouver tout perdu.
Et on peut zoomer et dézoomer le zoom le plus... Ah non, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Ok, je reste appuyé, je pensais que ça bougeait juste très peu. Cliquez sur un portrait centre la caméra. Très bien. Go. Presse I pour ouvrir l'inventaire. Ah, les beaux inventaires de RPG comme on les aime bien. Donc les trucs équipés. Ok. Ok. Boop. Boop. Non, pas ça. C'est quoi ça? C'est à manger? La ration. Le bouclier. Stipar. Ah oui, ok. Puis on peut mettre des trucs à la ceinture pour quand on a faim. Genre une ration. 40 rations, le mec. Il a embarqué une cantoche avec lui. Ok, go. X. Non, clic X. Hein. En train de me dire. Mouvement, clic droit. Double clic pour courir. Et si on peut pas y aller, c'est une croix rouge. Genre là, oh, je ne peux pas me jeter dans le vide. Genre là, on marche. Genre là, on court. Ouah, il court vite. La trace. Vous pouvez changer de membre d'équipe en cliquant sur F. Bip, boup, bip, boup. Les mecs, ils se TP. Des fois, ça fait bugger le jeu. Très bien. Maintenant, suivez les rails. Du pont. Enfin, derrière le pont. Quoi, par là? Ah oui, par là. Ok. Ah oui, ça, c'est l'entrée. Je pensais qu'on allait par là. Rotate. Ah, tourner la caméra. Mais je sens que je vais me perdre si je commence à tourner la caméra dans tous les sens. Là. C'est eux, les pas contents, là. Qu'est-ce qui leur arrive là? Où c'est-il qu'on va? Là, lui il bosse pas. Qu'est-ce qu'il disait du coup le tuto? Il faut qu'on leur parle. On leur parle, ok. Ah ben y a rien à dire, comme ça. Bon. Ah là il disait le pont. Yay le pont. Non, mais non, PRP labial, à lui, là, on peut pas parler aux gens? Non. Donc c'est qui? C'est lui qu'on doit parler? Je ne sais pas. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il disait, le tuto? J'ai déjà perdu le tuto. Très bien. Bon. À qui qu'on parle? À lui, là? On peut pas parler aux gens. Et là, une porte. Très bien. Prisonnier. Je t'avais prévenu, Marcus. N'est-ce pas? Le changement de ton. Dit l'un des prisonniers en soulevant une pioche. Et pourtant t'es revenu. Et cette fois avec un nouveau poisson, quoi. Ok, oui, il veut juste se foutre sur la gueule. Bon, qu'est-ce qui se passe? La musique. C'est con parce que la musique, elle est... Ah, attends. La musique, elle est super fort dans le... Elle est super forte dans le menu et ça s'est tout calmé dans le jeu. Elle est plutôt bien la musique en plus, donc autant en profiter. Go. Donc. Est-ce que j'ai perdu le tuto? Oh non. Oh là 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 là. Quel cat. Le tuto, il est où le tuto? S'il vous plaît. Oh. Là. Oui. Oh là 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 là. Ah non, c'est bon, il est revenu. Making Chat, d'accord. Donc là, c'est qui? Là, c'est moi et là, c'est l'autre. Donc, comment ça se passe? On se déplace, ça coûte des points. Ok. Là, Marcus. Lui, il a pas de points non plus. Ah, mais on peut se déplacer comme on veut? Bon, soit. Et espace, ça fait quoi? Ah, j'ai passé un tour.
J'aurais pas dû passer le tuto, hein. J'aurais pas dû passer le tuto. Donc là, vas-y, toi, fous-lui sur la gueule. T'as encore des points? Eh ben, continue. Et là, t'as plus de points. Qu'est-ce qu'il peut faire avec deux points? Pas grand-chose. Et toi? Et là, c'est quoi? Ah, c'est par... Ok, c'est par tour. Okay, très bien. Et là, après, c'est à moi, c'est ça? C'est moi, ça? Mais non, c'est Marc. Bah, et moi, mon tour, il est passé où? Bon, peu importe. Lui. Là. 17 HP, il lui reste. À mon tour. Pourquoi j'ai pas de points? Ah oui, non, ok, c'est par tour. Ok, très bien. Bah, vas-y. Pourquoi il attaque pas? Ah, c'est 5 points? Ah oui, mais tu peux... Ah oui, ok, il y a 15 000 types d'attaques différentes. 3 points. Là, je peux le faire, ça. Moi, je peux pas attaquer. Pourquoi je peux pas attaquer? Oh bah lui il a des points et tout. Pourquoi je peux pas attaquer? Ah il faut être à côté. Merde. Ah oui donc effectivement tourner la caméra ça... Pourquoi je peux pas me mettre là? Ah là ok. Il me reste 2 points donc je peux... Non! T'es trop relou ça hein. Pourquoi il a contre-attaqué lui? Bon, vas-y, fouille sur la gueule, toi. Ok. Il a un type d'attaque à 2 points, non, même pas. 7! C'est quoi qui coûte 7? Eh ben, vas-y, ça fait quoi? Wait, ouais, très bien. À mon tour, est-ce que je vais réussir à mettre un coup? Là. Alors, j'ai combien? J'ai 6. Donc je peux attaquer 2 fois avec ce truc-là. Fast. Là. Yay! Allez! Mon premier kill. Là. Parce qu'il y a quoi du coup là? Fast, regular, power. Ah ouais, mais il reste 8 points donc ça fait 2 x 4. Voilà, vendu. Boinks. Ah bon, ok. Ah ouais, mais si il se met là, il a plus de points après. D'accord. Et ben, pas de problème. Hop, à mon tour. Là, 4 points. Enfin, s'il me reste 4, je peux faire une attaque normale. C'est ça? Yay! Boinks. C'est quoi ça? Elle saigne ou quelque chose? Ouh là là, que c'est dense! Ouais, cause is bleeding. 3 points pendant 2 tours. Ok. Donc c'est un saignement, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est à qui là? À Marcus. Là. Bim. Et bim. À moi. Là. Tac. Meurs. Pourriture communiste. Ok. Ça va. On a su se passer du tuto. Tu t'en es bien tiré, dit Marcus, en vous donnant un truc pour soigner vos blessures. Mais on n'a pas encore fini. Est-ce que tu as besoin d'un moment pour te ressourcer? Non. Ouais, des points! Et on peut looter. Des points. Ah oui, ok.
Ah, donc ça, on peut pas les stats, on peut pas apprendre, mais on peut juste s'améliorer avec une arme. Très bien. 8 points. Donc moi j'ai 8 points, je m'en fous. Et lui, il n'a 14. Donc 14, on pourrait lui enfiler. Ah oui, ok, marteau, il est costaud. Ah oui, marteau et dague. Ah mais c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire. Bah écoute, on va attendre qu'il ait plus de points et puis on y fera pour autre chose. Et du coup, merde, comme ça là on peut looter. Il y a quoi? C'est quoi? C'est ce qu'il a ça? C'est un vêtement. Max AP. Looting, oui, ok. On peut placer. Ouais, ok, comme d'hab. Très bien. Donc du coup, on peut regarder ce qu'il y a là. Donc juste... ok. Ah oui, et ça c'est le soin. Lui, il avait une pelle, un bouclier et une tunique. Et l'autre, elle avait un petit coutal et des cailloux. On peut prendre le couteau. Hop. Ah oui, et puis tu peux trier par type d'item. Ok. On a quoi là comme un tunique, pas d'armure, ok. Donc du coup on s'en fout. Et genre le couteau, on pourrait le garder là. Et ça pour soigner. Ça fait quoi une ration? C'est du soin. Très bien. Merde, à chaque fois je fais échappe. Bon, et ben on est bon. Oh, un coffre. Quoi y a dans le coffre? C'est quoi ça? Des plantes. J'ai dit que c'est pour crafter des trucs. Bon, vas-y. Envoie. Tout. On a faim. Là, une clé magique. Des filets. Et des feuilles magiques. Vendu. Jusque là ça va. Là du cuir. Pourquoi faire? On a du cuir. Vendu. La porte est bloquée. Non. Ok, donc j'imagine qu'on va par là. Unlock. C'est pour ça qu'on a la clé. Très bien. Là, du bois. Du soin. Vous devriez vous soigner avant votre prochain combat. Bah non, je n'ai pas perdu de vie. Là, soin. Mais ça fait combien Ah, une ration, c'est un point de vie. Eh ben, ok. Mangeons. Yay, la teleport. Vous voyez 5 prisonniers à l'air aguerris qui ne sont visiblement pas étrangers à la violence. D'anciens brigands qui ont du mal à s'adapter à leur nouvelle situation. T'as un sacré culot, Marcus. Pour pas dire de gros mots. Dit un homme barbu, apparemment le chef de la bande. Tu veux me piquer mon minerai là? Et ben viens le prendre. Très bien. Charisme, on a plein de charisme. Yay, succès. Trop bien. Cool. Eh ben, le jet de charisme qui est passé. Et ça fait plaisir. Un archer. T'as qui là? C'est à moi d'attaquer? Vas-y, moi je prends le gros là. Ah, j'ai pas, pourquoi j'ai pas de points là dès le début? Je peux pas aller là? Ah non, c'est le positionnement. D'accord, c'est le placement de base. Ah, tu peux tourner. Ok. Bah vas-y. Je me mets là.
Marcus, mon bon Marcus, mets-toi là, toi. Ah non, pas le... Non, non, toi, tu restes derrière. Là. Et tu regardes lui, là-bas, parce que c'est sur lui que tu as tiré. Et lui, Marcus. Marcus. Là. Je vais foutre des tatanes. On est bon ? On est bon. C'est qui ? C'est moi qui commence. Évidemment. Et bah, je fais rien. Je fais rien. Je vais pas chercher les ennuis, je vais attendre qu'ils viennent. Parce que si je me mets là, je me retrouve encerclé après. Bon. Ça fait quoi ? Wait. Ok. Donc lui, dans ta sœur. Encore. C'est une blague. C'est quoi, c'est les carreaux? Ok. Pourquoi il peut pas tirer des munitions? Attends, reset. C'est une flèche, ça. Comment il faut qu'il... Faut qu'il la recharge. Ok. Yay. Recharge et t'as plus de points. Vendu. C'est bien, c'est Marcus qui prend les coups. Sauf là. Bloqué. Parfait. C'est qui, là? C'est Marcus? Marcus. Vas-y, fous des tatanes. Ton marteau, là. Il a 10 points. Est-ce qu'on ferait pas une attaque à 5 points? Là. Comme ça, il en fait 2. Boinks. Boinks. Et c'est à moi. 8 points. Donc, du coup, on va faire une attaque à 4. Hop. Et hop. Ok. C'est qui? C'est lui là qui a... Ah oui, puis il a juste un vieux couteau de merde. Touk. Eh ben tu ne sers pas à grand chose. Ah mais encore là l'autre, je tire, je pensais que c'était lui. Ok. Eh ben écoute, on continue hein. Boop. Boop. Ok, il peut plus recharger. Me dis pas qu'il n'y a plus de munitions. Ah ouais, il peut plus recharger. Bon. Et il a quoi sinon sur lui? Une hache. Ça a coûté 3 points pour en changer. Une hachette, on va dire. Et ben, go, vas-y. Oui. Et ben, change pas de main. Ok, un mort. Il reste 2 points. Et ben, là. Et là, il a pas une attaque à 4, à 3. Il n'y a pas une attaque à 3. Tout ça pour frapper à côté, c'était bien la peine. Hein. Ok. Oh ! Eh, pas dans le dos ! Ah, lui, il a beaucoup de points de vie. Ah merde, j'ai fait 6 points, quel con. Là, 4 points. Oh, la contre-attaque. Là, 4 et 4, 8. On continue.
Plus d'attaque. Ah si, 3, power, ok. Merde, à chaque fois je fais échappe. Eh ben go. Quoi? Pourquoi je peux pas passer? Ah ou... Ah ou... Mais il a combien de points de vie lui? Merde, j'aurais dû faire des attaques à 5 là. Ok. Là, lui, 4, 4 et 4, 8, c'est bon. Oh! Un mort. Il reste plus de points. Parfait. Pourquoi ça marche plus là ce bouton? Il marchait avant. Il a plus de points. Pourquoi je peux pas passer? Pourquoi ça marche plus là? Ah, j'ai quand même pas déjà cassé le jeu, non? Eh ben, laisse-moi finir mon tour. Ça y est, j'ai cassé le jeu. Combien de temps? Une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on est là et j'ai déjà tout pété. Pourquoi je peux rien faire là? Bon bah allez, c'est parti. Internet. Dungeon Rats Count End Turn. Machin, machin, machin. Bon, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'en fiche. Je peux plus rien faire, j'ai tout cassé. A, Z, E, R, T, Y, I, inventaire. O, P, M, L, J, H. Ça parce qu'il a des points et tout. V, B, virgule... Ah! Ah, ça a bougé! Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça a bougé. Là, échappe. Ah bon? Eh ben, c'est reparti. Oh, le coup critique. Là. Et avec 3 points, il doit pouvoir mettre un coup encore. Là. Yeah. Merde, j'ai passé mon tour. Ah non, échappe, ça passe pas le tour. Il met juste des coups jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points. Ok, vendu. Merde, très, très bien. J'aurais dû lire. Plein de points. L'autre, là, Marcus... Vas-y, au marteau. Et l'autre là avec sa son truc. Ah mais on a plus de. On a plus de carreaux d'arbalète. Bon, on va en trouver. Et moi, épée, je peux pas encore. Par contre, je peux augmenter le dodge. Allez, vendu. Et coup critique. Comme ça, on est bien. Alors, que se passe-t-il? Un coffre. Des carreaux, plein de carreaux d'arbalète. Et ben voilà, parfait.
Ah non, ça c'est des fléchettes à ta lancée. Eh ben, attends, comment on fait pour tout prendre d'un coup là? Shift, tout prendre. Un filet. Des fléchettes à bouffer. Antidote. Du poison. Et ça c'est quoi? Une pierre aiguisée. D'accord. Increasing damage. Ok. Ah, ok. Pas mal ça. Donc plus t'as de crafting, plus ça augmente les dégâts de ton arme. Et plus ton arme elle est dans un métal précieux, plus l'aiguisage dure longtemps. Sympa. J'imagine que c'est utilisé. Enfin, j'imagine qu'elle est consommée quand tu. Bon allez, tu sais quoi. Allez, essayons. Crafting. Oulala. Je m'attendais pas à ça. Munitions. Ah. Ah, c'est peut-être pas comme ça alors. C'est peut-être comme ça. Ah non, pas toi. Herpès labial. Ah si, là, c'est ça. Copis. Utilisé sur Copis. Oup. Plus 10 de dégâts. Bah voilà. Parfait. Et donc là, on a du bois et tout. On sait pas trop pourquoi faire. Vendu. C'est tout là, ouais, on a tout pris. Et ben, la suite. C'est où la suite? Y'a plus rien de ce côté-là? Là, du bois. On peut aller là? Là-haut? Non, c'était juste un cul-de-sac. Eh, attends, on les a même pas. On les a même pas lootés. Y'a qui là? Ouais, y'a tout le monde. Et le. C'est qui le. C'est lui le chef? Un marteau. On s'était pas mis plein de points dans le marteau là? Ou dans l'épée? Bof. Allez, on peut en prendre un, on verra bien. La tunique, on s'en tape. Lui, une épée. Ah, une armure, une vraie armure là. Enfin, une vraie armure, un truc en cuir. Avec un vrai bouclier. Cool. J'achète. L'archer, il avait bah, un arc et des cailloux. Ah, et un casque. J'achète. Et le type à la hache, il avait. Ah, un vrai bouclier aussi. Et un chouette casque. Vendu. Alors, du coup. Moi le premier parce que je suis le plus important. Là, bouclier 4. Là, bouclier 5. Hop. Ah, armure penalty. Pourquoi? Ouais, j'ai pas compris. Un casque, là. Classe 2, c'est les mêmes, mais lui, il a des cornes, alors il est plus stylé. Et ça, c'est quoi? Une armure, une vraie. Très bien. À poil en dessous, comme ça, nickel. Et sinon, c'est tout. D'accord. Marcus, bah lui, il a déjà une armure, mais il peut avoir un casque. Un beau casque à pointe. Et c'est qu'il y a une main qui manipule... Non, c'est à deux mains son truc. Bon bah pas de bouclier pour toi, tant pis. Toi. Alors ça, c'est à une main, mais j'imagine que tu peux pas manipuler... Ah non, de toute façon... Ah non, si, on a récupéré des... Ok. Mais ça, j'imagine que c'est à deux mains aussi, ouais, ok. Par contre, ça, tu peux le garder à la ceinture. Et ben voilà. Et alors comment ça marche les filets? Il faut les lancer. Ok. Et ça va coincer le mec pendant 2 tours. Et ben on va essayer les filets. On va essayer. Voilà. Et du coup, il n'y avait rien d'autre, pas du... Un item spécial, non, que dalle. Bon, et ben tant pis, go. Ouais, c'est de là d'où on vient, là. Mais alors pourquoi c'est toujours bloqué, là? Comment on est censé ouvrir ce truc? On est déjà censé repartir de l'autre côté?
Est-ce que c'est moi qui suis nul et qui ai pas vu qu'on pouvait grimper? Probablement. Non, il y a rien par là de toute façon. Il y a rien. Eh ben, c'était un cul-de-sac. Comme ça, pas de souci. Mais du coup, si c'est bloqué par là, comment on est censé la défoncer, la porte? Ou alors, où est-ce qu'on va? Est-ce que j'aurais dû lire le texte? Probablement. Des cailloux. Parce qu'il y a quoi d'autre là, par là? La porte est bloquée. Oui, mais si toutes les portes sont bloquées aussi, où est-ce qu'on est censé aller? Ah, on doit peut-être rentrer, c'est tout? Fallait aller tuer les prisonniers et c'était la fin? Allez, courez un petit peu là. Voilà. Y a pas un journal ou quelque chose? Un menu. Inventaire. Non. Ah ben voilà, ok, bah c'était ça, on avait fini la mission. Eh ben très bien, qui dit Barca. L'air satisfait, mais ne prends pas de la confiance trop vite. Wesh. Une autre tâche pour toi. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait le mec c'est Kev Adams si on l'avait jamais vu depuis tout ce temps. Mais nous sommes très loin sous terre. Et ces tunnels attirent toutes sortes de choses qui aiment bien manger les ouvriers. Cool. On essaye de les repousser, mais les tunnels, quoi, machin, mais on n'a pas beaucoup de combattants, donc voilà, wesh, c'est le bordel. Cool, une chasse des fourmis de feu. Genre des fourmis rouges? C'est un nom de créature du moment, là, ou Fire Ant, c'est juste fourmi rouge en anglais. Oui, c'est juste fourmi rouge en anglais. Hein. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Donc les types, c'est des prisonniers, des gladiateurs, des machins, mais vas-y, file-nous trois fourmis rouges. Voilà, elles sont pas très agressives, mais elles nous empêchent de miner, voilà. Et il y a à bouffer si on va les chercher. Eh ben go. Donc du coup, à qui on est censé là Eh, c'est Tipar. Ah, eux, on peut les recruter. Ah, les trois hommes ont vu des joueurs meilleurs. Ils ont l'air vieux, mais... Ouais, vous avez les... enfin, vous dites que de toute façon, on vieillit vite par ici. Le mec à droite, il a une arbalète. Il essaye de se la jouer, mais vous avez l'impression qu'il s'est jamais battu. Très bien. À gauche, une épée. Un ancien légionnaire. Et par contre, il a l'air malade, donc... Ok. Et par contre, le dernier, il a l'air d'un fermier, genre bien costaud et tout. Et il a une lance. Eh ben, le Bécal. Le Companion, ok. Eh ben, c'est lui avec sa lance, là. Voilà. Il vous salue comme un soldat. Mon seul crime est que... ok... Et on a perdu, et du coup il a été fait prisonnier, et du coup il s'est retrouvé dans la mine. Ok. Pas de saucisse. Bah tant pis pour toi, tant pis. Ça roule. Quoi? Donc pourquoi vous avez perdu, machin? Allez, viens. C'est lui là avec sa lance. Non, je voulais pas. Merde. Ouais. Quintus. On m'a vendu un type avec une lance. Et on me file un type avec une dague. Je sens...
Mais c'était pas lui, mais c'était lui avec la lance. Lui avec la... Ouais, replace. Ah, ça va, on peut changer. Tout va bien. Silas. Et bah voilà. Bon, et puis tiens. Là. Et puis, c'est à demain, j'imagine. Même pas. Eh ben cool. Te voici équipé d'un bouclier. Et tu as un joli casque qui te fait ressembler un peu à... Ben pas grand-chose, il faut le dire. Bon, eh ben on est y part. C'est... Ah, mais c'est notre camp en fait. Et on peut déposer notre matériel. Ok. Eh ben, comment qu'on fait? On peut vendre des trucs? Genre là, le bois, je veux pas me le trimballer. Genre le cuir et tout ça, les petites plantes mignonnes. 124, on n'a pas besoin de 124 de bouffe. On peut pas en déposer un peu là? Alors si on dépose 60, hop. On s'allège parce que je sens qu'on va trouver. Ça, les fléchettes, je m'en tape. Les tuniques, on s'en fout. Et une petite dague, on s'en fout aussi. Voilà. Hop. Go. C'est par là, du coup, j'imagine. Ouais. C'était fermé, maintenant c'est plus fermé. Ouais. Courez. Courez. Très bien. Du bois. Oh, je voulais du bois. Oh, des fourmis pas gentilles. Vous voyez une araignée, pas une araignée, une fourmi. La taille d'un chien, bon, ok. Elle fait du son, un clicking, fait un son avec ses mandibules, quoi. Elle se retrouve rejointe par deux autres fourmis. Oh! Oh, le poison, ok. Les fourmis empoisonnées. Attends, toi, là, toi. C'est qui? Non, je veux pas. Je veux l'autre, là. Marcus, toi, prends. Non, toi. Va prendre les coups. Toi, là. Et l'autre. Et l'autre, bah, il va pas faire grand chose avec sa. Ah, mais il a pas un bouclier, non? Si. Là. Hop. Voilà, deux fronts. Comme ça, on est large. Allez, go. Ah, tu peux rien faire, tu peux rien faire, hein. Allez, première rate. Mais pourquoi il est de dos, lui? Pourquoi je suis de dos? Là, toi, va au casse-pipe. Là. Trois attaques. Boink. 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 Toi. Donc tu attaques avec ça, s'il te plaît. 8 points. Boink. Boink. Ah, bravo. D'où elles attaquent en diagonale, c'est la triche ça. Vas-y, mets-toi là. Ah mais lui aussi pouvait attaquer en diagonale. Eh merde. Attaque rapide. Boop. Ouf. Boop. Le gros poison et tout. 11 points. Eh ben, 3 fois 3, 9. Boop. 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 Et un coup de bouclier. Boop. Ah, ça les repousse. Nice. Lui, 10. Eh ben, 3 fois 3. Boop. 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 Et là, shield bash, 2 points, et il a pas. Pendu. Ouch. Ouch.
c'est-il qui va mourir? Qui c'est-il qui va pas mourir? Attaque normale, on a dit. Boop. Boop. Le poison qui fait pas du bien. Pourquoi je peux pas attaquer là? Ah oui, en fait, l'épée c'est de la merde, il faut être devant. D'accord. Boinks. Si j'avais fait 3 et 3, j'aurais pu faire des trucs bien. Vas-y, un coup de bouclier. Boink. Ça fait pas de dégâts? Tant pis. Là. Lui non plus, il peut pas attaquer de là. Donc, là. Et du coup, 9. Boink. 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 Elles ont combien de points de vie, là, ces saloperies? Elles sont toutes presque mortes. Il faudrait que je me concentre sur une, plutôt. Probablement. Boink. Yay. Boink. Là. 8 points. Ouais, elle a fini. Ok. Boop. 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 Là, 10 points. Boop. 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 Yay! C'est tout? Ok, faut finir le... D'accord, faut finir le tour. Oh, ok. On peut faire des armures. Des armures en carapace de fourmis. Va. Ok. Est-ce qu'on a quiconque qui a un niveau de craft à 2? Oui, moi. Eh ben, parfait. Comme ça sera l'occasion d'apprendre le craft. Armure. Comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est ce qu'il faut et ça, c'est ce que j'ai pas. Ah, faut peut-être que je les loot d'abord. Ok. Ah, il y en a 10 en tout. Vas-y, envoie. Envoie, envoie. Alors, le crafting, comment ça marche? Si je nous fais des belles épaules. Donc, je peux pas fabriquer parce que j'en ai pas assez. Pas de technique. Ah oui, ok, renforcé. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Mais du coup, il me faut 3... Ah oui, même sur les 3 fourmis, je n'ai pas assez pour en faire juste une seule. Ah oui, ça c'est... Dans le mauvais sens qu'ils ont fait leur truc, là. Bon, eh ben, écoute. Par contre, lui, il a pris cher. Lui, il a pris cher. Est-ce que tu ne te soignerais pas? Là. C'est lui qui a plus de vie, hein? Attends, on va apprendre. Là. H. Potion. Du soin. Les soins de 20. Et puis nous, on peut prendre des rations, j'imagine. J'ai combien de rations? Il m'en reste 70. Voilà, large. Et lui peut en manger aussi. Donc, tout le monde à fond. Même pas mal. Oh. Des plantes. Oh, des fourmis. Encore 3. Une oasis avec de l'eau et des plantes. Ok. Un, deux, trois fourmis. On va m'en faire les marioles ce coup-ci. Donc là, c'est moi en premier. Non. Attends, là, comme ça, et dans le bon sens, s'il te plaît. Ok.
Ça, c'est moi. Là. Là, je suis avec un bouclier devant la front line. Ou plutôt, comme ça. Toi. Non. Ah. Et toi, là-bas. Et moi planqué derrière comme le gros faible que je suis. Non, je rigole, je vais me mettre... Bordel. Là. Ici. Go. Bah c'est moi qui commence. Et ben je m'en fiche. Yay. Onze points. 3 3 3 et 2. Boop. Lui. Viens me défendre. Wesh. Combien? 8. Et eh ben 4 et 4. Boop. Boop. Coup critique. Esquive. Là, on a dit qu'on focusait un petit peu. Boinks. Et encore une. Boinks. Ah bah voilà. Yay. Là. Boink. Mais non. Oh, le con. Oh, le con. Eh ben, tant pis pour toi. À toi. 12 points de vie, 30 points de vie. Waouh. Là. Boop. 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 Ouch. Bloqué. Lui, il peut attaquer de coin. Hop. 8. 4 et 4. Boop. Et boop. À moi. Là. Fast. Boop. Et boop. Lui. Là. 9. 3. 3. Et 3. Comment elle a pu esquiver les coups de dos? Un qui va mourir, hein. Même pas. Et bah voilà, fastoche. Yay. La bonne viande de fourmi. Crue. Et ce coup-ci, on a de quoi fabriquer notre machin. Yay. Cool. Il est. Du coup, moi, parce que je suis le chef, comment ça marche les épaules? Ah oui, ok, c'est à la place de l'armure. Et c'est quoi la petite icône de... Une petite icône, là. Remove drop at schématique. Et ben, qu'est-ce qui vaut le mieux là? J'ai l'impression que c'est ça qui vaut le mieux. Malgré qu'on soit à poil, ça marche bien. Ok, et ben, vendu. Vas-y, des plantes. Failure. Ah oui, on sait pas. Harvest plant, failure. Oh! Quoi y a dans l'eau? Bon. C'était de la bonne eau. Eh ben, continuons. D'où on vient? On est venu de par là. Faut peut-être qu'on soigne avant de retomber sur quelqu'un là.
Point. 39 rations. On les aura vite mangé ces rations. Là, il y a un cul-de-sac, il y a forcément des monstres. Yay, plus de fourmis. Oh, deux grosses fourmis et deux petites. Celle-là, elle est plus près. Donc moi, maintenant, j'ai une bonne armure et plein de points de vie. C'est peut-être le moment où, moi, j'arrête de me de me planquer. Parce que du coup, là, l'autre, avec sa... Où est-ce qu'elle est? Avec son truc, là. Le bouclier, il peut pas avoir un bouclier à la ceinture. Bon. J'imagine que c'est normal. Ok. Lui, il a plus de points de vie. Il vient de faire la front line. Et toi, là. Bon, par contre, les autres... faudrait mieux qu'ils se mettent pas trop loin de nous, malgré tout. Go! Bon, je peux toujours rien faire, hein, donc, comme ça. Parce que wait... Ah oui, wait, c'est genre que je me remets à la fin ou je sais pas quoi. Ah, bravo, je peux déjà plus tirer. 11. Bah vas-y, attaque. Je peux pas attaquer. Ah, il doit l'équiper, c'est ça? Comment ça marche? Ah bon, ah bah... Ah mais merde! C'était qu'il fallait qu'il se déplace en fait. Mais il va se faire défoncer. Et j'ai pas un bouclier là? Voilà. Mais... Ah, il a plus les points pour équiper le bouclier. Ok. RIP. À lui. Eh ben, tu sais quoi, on va s'en sortir très bien sans toi, nous. Viens te mettre là. Et 6 points, ça fait de quoi faire 2 attaques rapides. Ils ont bien beaucoup de points de mouvement, ces saloperies. Alors, là, 10, 2 x 5. Boinks. Boinks. Là, à moi. Boop. Du coup, 2 x 6. Là, allez, on la tue. Yay. Là, hop. Hop. Et hop. Ben, tout ça pour ça, c'est bien la peine. 10. 3 fois. Eh ben, il a défoncé. Il lui reste un point. Pas de quoi se déplacer. Bah, tant pis pour lui. Eh ben, go. Boinks. Et boinks. Raté. Moi, je m'occupe de celle-ci. Oui. Hop. Et hop. Et bah tout ça pour 2 attaques ratées, c'était bien la peine. Et c'est lui qui fait tout le taf. Et ben peut-être que lui peut reprendre son arbalète du coup. Ça là. Et ça là. Ok. Recharger. Il y a quoi? Il y a des tirs. Attaque aérienne.
C'est quoi push? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il peut viser les pattes. Qu'est-ce que ça fait du coup, viser les bras? Ouais, faudrait qu'on apprenne hein, quand même à un moment. Allez, on s'en fout. Bah là, elle est rechargée son arbalète. Pourquoi il peut pas tirer? Ah, parce que lui, il est dans le chemin, j'imagine. Eh ben, va te mettre là. Boinks. Comme ça, toi, tu te mets là. Ouais, elle est défoncée. Boop. Boop. Un point de vie. Boop. Yay. Fastoche. Fastoche. Vas-y, on prend tout. Non, on sait pas. Ah, on a besoin d'une pioche. Et là, il y a un trou. Donc, le terrier de la fourmilière est environ est profond d'environ 1m50 avant de prendre un virage à gauche. Vous voyez un crâne enfoncé à moitié dans le tunnel et un objet. Et un autre objet, mais voilà, il faudrait être bien agile pour aller le chercher. Ah, personne n'a envie de... Ah, j'ai cru qu'il nous arrivait des embrouilles. Non, on a juste pas assez de dex. Bon, on reviendra quand on saura miner des trucs ici. Et du coup, on a réussi la quête, et comme je m'amuse à tourner la caméra dans tous les sens depuis tout à l'heure... Je ne sais plus où on va. Si. Là, c'est bon. Pourquoi on peut pas y aller? C'est trop loin? Oui. Les grosses animations de coups. Et là, on peut aller là maintenant. Okay. C'est trop loin. Là. On a tué les fourmis. Yay. Est-ce que vous avez eu la reine? Quoi? Évidemment, la reine, le boss. Parce que on n'en sera pas débarrassé tant que vous n'aurez pas tué la reine. Et il faut que vous alliez plus loin pour la trouver. Eh ben go. Il va nous falloir de la poudre. Go. Non, rien d'autre, machin. Ok. Eh ben, cool. Ah oui, genre, direct, ils nous ont mis là-bas au fond. Non, je... Je vais quand même aller me soigner, hein. Oh, est-ce que je suis fatigué, je vais pas faire long feu, hein, moi, ce soir. Allez, on se fait le boss et puis j'irai me coucher. Comme ça, je serai reposé pour demain. Comment on se repose là? On peut pas pioncer ou quelque chose? Bon, on a de quoi faire une deuxième armure de ouf. Allons-y. Par raccourci pour crafter, je sais pas. C'est pas... Technique. Masterwork. Go! Ça, c'est quoi, repair? Ah, on peut réparer des trucs. Il nous faut du bois. Mais ça tombe vachement bien parce que ça, du bois, on en a plein. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les grenades, là. Ok. Donc ça, on va l'équiper. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Des flèches. Ok. Ben, cool. Plus d'armure. Eh, mais on a plein de trucs. Alors, attends. Craft. On a dit qu'on pouvait réparer le bouclier, parce qu'on savait faire. Bah. Ah, j'ai oublié de valider le bois que je voulais prendre, ouais.
Hop. Craft. Réparer. Là. Touc. Très bien. Oups. Je l'ai fait la deuxième armure là. Ouais, je l'ai faite. Ok. Et ben du coup. Ah bah oui, parce que lui il a pas d'armure depuis le début. Elle est où celle que je viens de faire? Elle est là. Elle a une étoile aussi celle que j'ai faite? Non, même pas. Oh bah attends. On échange, moi je veux celle avec l'étoile là. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc avec les la petite. Ah, c'est parce que je peux apprendre le plan. Ben, vas-y, apprenons plein de plans. Là. Hop. Ok. Cool. Quoi d'autre? On peut pas dormir pour se soigner ou quelque chose? Des rations, elles vont pas faire long feu, là, les peu qu'on a. Hop, si on prend tout. Alors là, ici, les tuniques, on s'en tape. Les petites fleurs, on s'en tape. Ça, on s'en tape, ça, on s'en tape. Quoique je dis ça, mais... Ah non, c'est pour faire du poison. Attends, j'ai rien compris, là. C'est notre coffre, ça. Merde, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le coffre. Ouais, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le coffre. Je suis emboulé. Donc ça, j'imagine qu'on n'aura plus besoin avant un moment. Ça, on peut garder, on s'en fout. Allez, allez. Les cailloux, on s'en tape. La clé, on s'en tape. Ah, je suis obligé de la garder. Ça, j'ai pris à manger. Bouclier, pourquoi pas. On peut apprendre le plan. Ouais. Ça aussi. Et ça aussi. Parfait. Parce que là même l'armure elle est cool, non? Inventaire. Classe d'armure 2. Classe d'armure 0. Et ben vas-y, fais-toi plaisir. Alors, on en a des armures. Boop. Ok. Ah, putain, tu prends un petit couteau pour quand tu peux plus te servir de... Oh non, la petite hache entre 5 et 8, entre 2 et 5. Et ben, voilà. Parfait. Et un petit filet. Et toi, un petit filet aussi. Comme ça, ça libère un peu de la place. Go. Bon bah du coup on peut pas se soigner là, on peut vraiment pas dormir ou quoi. Mouais. Mouais. Et Marcus lui aussi il a besoin de se soigner. Max. Ok. On va pas faire long feu avec ces rations je pense. Hop. Allez, c'est y part. Et on n'a pas pris de pioche. Tant pis. Hop là. Ouah, le gros zoom. Bon, qu'est-ce que ça dit? Des plantes, mais on n'y connaît rien en plantes. Des cailloux, mais on n'y connaît rien en cailloux. Moi, je dis, elle est là. Ouah, des vers de terre. Un scolopendre.
un scolopendre et des fourmis mortes. Eh ben... Eh ben go. Vas-y, j'annonce, je prends les coups. Là, hop. Hop. Et l'autre avec... Là, par là. Hop. Et lui, ben écoute, là sur le côté. Donc, go. À moi. Et ben, je vais pas chercher les ennuis. Ouah. Évidemment, lui, il peut pas tirer comme ça. Il faut qu'il se déplace. Ok. Ok. Ben vas-y, hein, fais-toi plaisir. 6, 2 x 3. Parfait. Parfait. Toi. Là. Et 2 fois des attaques rapides. Points. Points. C'est qui? C'est moi? Ah merde, je peux pas attaquer de là où je suis. Eh ben tout ça pour ça. Ça c'est quoi? Ah, je peux essayer de lui lancer un filet à la tronche. Eh ben, apprenons. Oui. Nice. Comme ça j'aurais le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Lui, il faut corps qui se déplace, qui recharge et qui tire. Boinks. Lui, il va mourir. Bah, à la limite. Qui se mette là et qui mette deux petits coups. Comme ça, moi, je pourrais faire le tour. Lui. Boinks. Et Boinks. Et moi, je me mets là. Et du coup, 2 x 3. Boinks et Boinks. Nul. Ah bah bravo. C'est Clia, elle est maligne en plus. Boinks. Boinks. Pas assez de points pour recharger. Et bah tant pis. Bon bah, on a perdu quelqu'un déjà. Ok. Une mandibule. Ah non, Stinger, d'accord, cool. Et lui, qu'est-ce qu'il avait de bien? Oh, bah c'est lui qui avait l'armure chouette. Bah, tant pis pour lui, hein. Et là, après, c'est les fourmis. Pour faire plus d'armure cool. Crafting. Armure cool. Là c'est classe 2 et ça c'est classe 1. Et ben, on a dit technique. Hop. Armure cool. Nice. Inventaire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas l'armure cool encore? Non, pas ça, ça. Boop. Armure cool. Et l'autre qui est mort, et ben toi tu peux la récupérer. Hop, armure cool. Et moi je vais manger, parce que pourquoi pas. Hop. Et donc du coup là on peut pas escalader ça. Bon, tant pis. Là, il y a quoi? Il y a un explorateur. Peut-être genre il avait... Ouais, des rations. Nice. Une armure et des bombes. Et des flèches. Et un arc. On a déjà un arc? Non. Et ben si jamais quelqu'un veut un arc un jour, au moins il l'a. Hop. Bah non, ah non, c'est shift pour tout prendre. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Et ben go. On n'a pas d'autres des explorateurs morts là. Là j'ai pas de pioche.
Bon, du coup, c'était pas par là, donc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, on peut descendre, ok. Oui, là, il y a des... Ah, j'espère qu'on peut se prendre un combat, mais non, c'est trop petit. Ouais. Ok. Eh ben, il me faudrait un point en alchimie. Attends, on a dû gagner des points, là, depuis le temps. Oh, on a plein de points! Alors... Ah bah voilà, en plus on peut crafter du soin si on ramasse des plantes. Ah bah fallait le dire plus tôt. Quoique, on peut s'améliorer à l'épée. Ah mais dodge c'est bien. Ok, c'est pas nous qui... Ah bah si, on a encore assez de points. Non, nous on va dire on s'est crafté comme ça. Allez, go. Et puis ce sera Marcus qui apprendra à faire les potions. Parce que pourquoi pas. Et comme il lui reste des points, il peut apprendre à bloquer, à faire des coups critiques. Non, pas des coups critiques. Et l'autre là, avec son machin, il peut apprendre ça. Vendu. Comme ça, maintenant, tout à coup, hop, je reconnais les plantes. Yay. Alors, alchimie, comment ça marche? Là, poison. Poison plus poison, ça fait rien. Natural poison. Ah, on peut s'en mettre sur les armes. Ok, cool. Et ça, tout seul, ça sert à quelque chose? Non. Ok, et eh ben il n'y a plus qu'à trouver de quoi se faire du soin. Et c'est dommage qu'on ait pas de pioche, parce que du coup, j'aurais pu ramasser des cailloux. Mais attends, il y en a encore des autres, des plantes. Je peux faire toutes les plantes. Oh, je peux faire plein de plantes. Ah, failure. Donc ça, c'est des plantes plus avancées, c'est ça? Ok. C'est ça qu'on a... Et ça, ça fait quoi? La nourriture. Ah, donc c'est ça qui fait du soin. Alchimie. Ça, cool. Eh ben, fallait le dire. Fallait le dire. Et du coup, j'imagine que si tu fais du soin et du poison... Non, ça marche pas comme ça. Ou alors, comme ça, non, je sais pas si l'ordre est important. Eh ben, ok, mais... Hop là. Parfait. Comme ça, maintenant, on peut se soigner en faisant... Ah oh, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être pu sauver la vie du con, là-bas. Et là, des sticks. Pourquoi pas. Yay. Waouh, de la lave et tout. Je sens qu'on n'est pas sorti du sable avec ce niveau. Plus de fourmis. Oh, mais genre des fourmis plus méchantes avec des plus grosses. Waouh. Oh oh. Vas-y, mets-toi là, mais de toute façon. Non, pas toi. Toi, là, comme ça. Attends. Là. Donc, là, moi. De toute façon, je vais forcément prendre des coups. Hop, et hop. Et j'annonce que, à la place de la petite hache à la con, tu vas prendre à boire. Il peut en avoir deux? Non, il peut en avoir qu'un. Bon. Eh ben, même pas peur. Moi, j'ai plus de filet non plus. Bah, vas-y, je vais prendre deux soins. Pour être sûr. Lui, il a quoi? Lui, il a un filet. Bah, prends un soin aussi, des fois, que... À l'attaque.
Hop. Et ben comme ça je ne peux rien faire. Lui, est-ce qu'il peut déjà tirer sur des... Ouais, celle-là il peut pas, mais celle-là il peut. Fais-toi plaisir. Boinks. Boinks. Il peut pas tirer. Ok. Lui, eh ben, attends. Très bien. Ok. Ouais, c'est de la triche. Ah, elles attaquent une fois par tour. Eh ben, on est large alors. Comment s'y prend-on? Boop. Et boop. Ah bah cool, il peut tirer de là. Parfait. C'est encore à lui? Ah oui, c'est parce que j'ai fait attendre. Ok. Boop. Boop. Même pas peur. Raté. Il esquive tout. Le champion est contre-attaque. Et c'est... Ok. Et elle est à 3 points de vie, mais je peux pas l'attaquer là d'où je suis. Et ben go. Boinks. Boinks. Bon, c'est pas moi qui fais le taf, hein. Eh, pourquoi je peux plus l'attaquer tout à coup? Je pouvais il y a 5 secondes. Que s'il veut aller là, il peut pas. Et là, il peut pas. Genre, il faut qu'il aille se mettre là. Ok. Boinks. Boinks. Vas-y, tu m'as fini. Champion. Et celle-là. Comme ça, on s'y met à deux. Et continue de tout esquiver parce que c'est le champion. Hop. En même temps, j'ai l'impression qu'un marteau, c'est naturellement plus efficace sur des fourmis qu'une épée. Boinks. Boinks. Nickel. Oh bah voilà, il y avait qu'à dire ça et c'est lui qui prend le prochain coup. Là. 4. Boop. 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 Boinks et Boinks. Oh ben moi qui m'attendais à un combat dur, on leur a trop mis leur race. Boinks. Cool. Je vois pourquoi il y a ce message là, ça va vouloir dire quelque chose. Il y a une idération. Alors qu'est-ce qu'il y a à ramasser là-dessus? Et ben du coup, plus. Mais il va arriver un moment où je vais en avoir de trop. À moins qu'on puisse vendre, je vais arrêter d'en ramasser. Wesh, Jean-Jacques, soigne-toi. Là, on peut se faufiler. Oh, là-bas, il y a une plante magique. Et là, hop, on n'a pas le niveau. Là, on peut se faufiler dans le petit trou. Oh, un viewer. Bonsoir. Ça va bien. Des cailloux. Ah non, c'est des champignons. Qu'est-ce qu'on fait avec des champignons? Je ne sais pas. Ça fait quoi des champignons? Berserk Potion. Ah ouais, ok. Les gros champignons. Bah pourquoi pas. Que se passe-t-il? Quoi? Nous sommes encerclés de tous les côtés. 1, 2. Pourquoi 8? Elles sont où les 8? Bah là-bas, tout au bout. Bah attends. Ah ouais, effectivement, on est bien encerclé comme il faut. Eh ben, pas cool.
peut essayer de battre en retraite par là. Non mais là, elles sont que deux, on va les défoncer. Il est où Jean-Jacques avec son marteau, voilà. Là. Toi. Je peux te mettre ici et tirer vers là-bas. Et moi, j'annonce que je me mets là et que je vais frapper par là. Et ben, go! Pas le go, ça? Ok, c'était le go. Elles avancent bien vite, ces saloperies. Elles avancent bien vite. Elles sont sur nous le prochain tour, mais en attendant... feu à volonté. Au critique. Allez, un mort. Ah oui, ok. Et là, c'est à qui, c'est à Marcus, parce qu'il a attendu. Elle est vraiment chouette, la musique, hein. Et hop, oh non, un HP, c'est dommage ça. On va pas qu'il prenne un coup de poison. Non, pas dans le dos. Ça va devenir compliqué là. Ok, prends les coups ce tour-ci, et après il soignera et changera d'arme et compagnie. Ouais, va falloir qu'on commence à en tuer là. Elle est à combien? 20 encore. Bah et moi, j'ai toujours pas joué. Ok, cool. Raté. Ah, enfin, à moi. Et ben, allez, go. Ouais, 6 points, ça fait 2 x 3. Ah oui, mais genre les attaques... Ah si, j'ai quand même mis... Contre-attaque. Nice. Oh, lui, il est tellement mort. Il a combien? Il a 20. Donc, ce qu'il faut, ce qui doit se passer, c'est que... Ils se prennent... un bouclier qui se prenne ça achète, ça lui coûte 1, 2, 3, 4, 5 points. Ok, comme ça il peut manger sa potion. Vas-y, drink. Comment ça marche, ça? Faut d'où? Là, drink. Pourquoi? Moi, je peux pas la boire. Bon, bah, tant pis, hein. Là, 7 points. Il me reste 5. Ah bah, 5... Ah oui, power, il a moins de chances de toucher. Mais si ça touche, ça défonce. Bah vas-y. Ah bah non, attends, power, parce que du coup s'il touche, il va peut-être la tuer. Pourquoi il peut pas attaquer? Ah, parce que c'est forcément là. Bon bah écoute, raté. Esquive. Il prend un peu cher là, l'autre... Elle est à 11. Vas-y, tu la chopes. Oh non, 10. C'est chaud parce qu'il faut qu'on en tue là.
Il faut qu'on se mette en tuyau. Tu peux le boire ça maintenant, s'il te plaît? Pourquoi il peut pas le boire? Il est blessé. Il doit quand même pas se prendre un antidote là, juste pour ça. Ah, ça lui mange des points en plus. Ah, mais attends, mais il perd des points en plus. Merde. Pourquoi il peut pas la prendre la potion? C'est pas une potion qui soigne? Ah putain, c'est pas un soin, c'est un soin hors combat, sinon ça sert juste à stopper le... les... D'accord, ah bah il est mort en fait. Sauf s'il boit ça. Ah mais il est complètement mort. De toute façon, il peut faire qu'une attaque, donc autant y aller franco. Ya! Oh là 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 là. On est en train de se... Ah oui, mais ça, il peut pas le prendre pendant le combat, mais quel con. Allez, finis-la, s'il te plaît. Merci. Et finis celle-ci aussi, tant que tu y es. On se la fait. Cool. Parce qu'il y a celle-là qui est encore... Le filet, non, j'ai pas le filet d'équiper. Il me reste 4 points. Je peux aller me mettre là éventuellement. Ouais, mais non, faut aller prêter main forte à l'autre pignouf là-bas. Là. Ok. Survie un tour et t'es bon. Très bien. Lui, il a 11 points, donc il peut faire. Deux attaques comme ça, et il peut reculer d'une case. Eh hey. Ah, et c'est une attaque d'opportunité ou une connerie. Très bien. Ouch. Esquive, contre-attaque, et il la tue. Merde. Ah non, il en reste encore 20, ok. Boinks. Boinks. Alors, tac. Et du coup, vu que j'ai plus de points. Ah bah, il me touche aussi. Bloqué. Ah, il va mourir. Ah. Ah non. Ok. Il y a 3 HP. Et ben, grand bien lui fasse. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est repasser à l'arbalète. Cool. Comme ça, c'est moi qui tank. Ça passe. Ça passe crème. Ah, je peux pas attaquer de diagonale. Fais chier. Ok. Là, si on pouvait finir celle-ci. Ah, j'ai un peu de munitions. Déconne. Et ça, c'est quoi? Pourquoi il... Mais non, Elle peut pas les tirer, ces munitions-là? Pourquoi ils disent que vous avez plus de munitions? Ah mais non. Je fais n'importe quoi, je sais pas comment le jeu marche. Ah mais ça c'est peut-être des flèches pour compter à l'arc. Ok. Ah, il lui faut les flèches dans l'autre main? Comme ça? Non. Il lui faut les flèches à la ceinture.
Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, il a rien fait de son tour. Allez, fini là. Cool. Il a 4. Parfait. Là. Boinks. Non, c'était pas face qu'il fallait faire, c'était l'autre. Il fallait pas faire. Oh là là. Vas-y, go. Comment ça marche les munitions? Reload. Barbed. Boop. Boop. Ah, là j'ai plus assez de points. Ok. On est large. Nice. Ben voilà. Fastoche. Ok. Ben très bien. Il y a des trucs à réparer ou quelque chose? Non. Que dalle. Eh ben cool. Mais pourquoi il peut pas s'en servir hors combat? Ah mais non, c'est comme ça. Non, non. Alors j'ai mal dû lire la description de l'objet. Ah, use. Pourquoi cette potion n'aura aucun effet maintenant? Ça. Rend des points de vie. Pourquoi il peut pas rendre... pourquoi il peut pas s'en servir pour récupérer des points de vie là? Parce qu'on est plus on est plus en combat. C'est bon, il peut la boire maintenant? Non. Ou alors il considère qu'on est en combat de tout. Ok, peut-être. Bon, en tout cas, toi à manger, toi à manger. Et moi, je n'ai pas pris un seul point de dégâts, et ça, ça fait plaisir. Et encore un trou. On n'a pas fait là-bas, il y a des ossements. On va looter. Waouh! Eh ben, j'achète. Alors, inventaire. On a pris. Et donc l'autre. Marteau. Boinks. Stylé. Bon, et du coup, là, on a le choix, mais a priori... ah bah, là, c'est les œufs. Donc ça y est. C'est le boss. On va arriver par le milieu, là. J'aurais dû sauvegarder. Ah bah, laisse combat auto-save. Wow, l'eau. Oh, sauvegarder. Comme ça, on est large. La reine. Vous voyez la plus grosse fourmi que vous avez vue jusqu'à présent. Je n'êtes pas sûr que ce soit la reine, mais il faudra faire avec. Barca ne vous semble pas être l'entomologiste accompli, donc il fera pas la différence. La reine, machin... Ah, très bien. Alors que vous approchez, elle se frotte des trucs sur l'abdomen, ce qui fait un drôle de son. Et du coup, ça attire les autres. Par les autres, ça veut dire celles qui vont nous prendre à revers, là. Bon, ça passe. Qui c'est que ça? Faut pas qu'il y en ait d'autres qui se pointent ensuite, par contre.
Bon, toi, vu que tu dodges comme un dieu, t'es là. Moi, je me mets... moi, je me mets là, tourné vers elle. Et j'ai dit tourner vers elle, là, comme ça. Et Jean-Jacques, là, il a qu'à se mettre... Bon, il peut tirer à l'arc derrière, comme ça. De toute façon, elles vont avancer, donc il peut se mettre plus loin. Et viser par là. Ah non, c'est elle qui va lui tomber dessus, a priori, à moins qu'elle fasse tour par là. On verra. On verra, c'est à moi. Eh ben, attendons. Ah bah, ça commence. À qui? À la fourmi. Boop. Boop. Puis essaie de pas. Bon. Ça se prend? Toi avec ton nouveau marteau. Oh là 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 là, il défonce tout. Ah, je prends une attaque d'opportunité parce que je suis dans sa zone. Méchant. Et si je vais là? Non, là c'est bon. J'ai pas envie de me prendre des attaques de dos. Ouais. Ah merde, il s'est retourné, du coup il va prendre les attaques de dos de l'autre. Ok. Hop. Hop. Et il peut plus rien faire. J'aurais dû lui mettre ça là comme ça. Ouais, parce que. Eh ben, wouh, il venait de loin celui-là. Ah mais non, ça faut le mettre là et ça là, comme ça. Mais non, juste ça comme ça. Hop, apply. Donc. Et comme ça, s'il lui restait des points parce que je savais jouer, il aurait pu s'en servir. Go. Les coups de marteau. Non, paf. Ah si, face, c'est 5 points celui-là. Ah oui, il est plus lourd à manipuler. Ce serait bien qu'il arrive à la finir quand même. Boop. Boop. Eh ben, que dalle. Ah ok, il s'en prend à l'autre. Eh ben... j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Ah ouais, ok, ben v'là du monde en fait. Ça va être complexe. Bon, lui il a 11 points. Comment ça marche ça? Ah oui mais non, c'est pas sur le côté, merde. Allez, finis-en une. Voilà, parfait. Et comme ça il peut passer là-dessus parce que ça va lui servir au prochain tour. Ouais. Et ben on n'est pas sorti du sable. On va jamais s'en sortir. Faut pas qu'elle dodge en fait. À la limite, il faudrait lui bazarder un filet sur la tronche. Boink. Oh, elle prend rien, elle a masse d'armure. Boink. Ah, et puis lui, il a pas de filet d'équipé. Comme ça, on est pas bien. Ah. Allez, tu en une au moins, fais quelque chose.
Oh bordel. 9. Contre-attaque. Ah. Ouais, les 4 de poison, ça va pas lui faire du bien, ça. Lui, il peut faire des attaques normales. Boop. Boop. Ah, et une rapide. Ça fait quoi les attaques rapides exactement? Plus de chances de toucher, mais moins de dégâts. Très bien. Il m'a raté. Oh, il esquive de dos, ouais. Ah. Ouais, on prend méchant là. Hein. Le problème, c'est qu'elle, elle prend rien là. Est-ce que ça vaut le coup de lui bazarder un filet sur la tronche? Vas-y, on va essayer. Oui! Ah, c'est les AP que ça réduit. Eh ben, régular. Il reste 6 points. Yay! Ok. Bah du coup... Vas-y, mais finis-en une. Oh là là, il met tout à côté. Encore? Mais c'est les dernières ou... Non, il n'y en a plus qu'une. Non, il y en a une autre là. Oh là 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 là. En même temps, on est tous en train de se battre dans notre coin. Alors, vas-y. Il me rate pas tout. Une attaque rapide. Et ça fait quoi une feinte? Ah, échange de place. D'accord. Vas-y, on va essayer. Ah, raté. Bon. Eh ben, E pour effort. Contre-attaque. Contre-attaque. Yay. Ok. On prend du poison, genre violent. Hein. Elle, elle est qu'à 20 points de vie, là. Si on pouvait la tuer, elle arrêterait de faire popper du monde. Yay! Ah merde, j'ai fait une crotte, je me suis gouré. Ah c'est con, il peut plus en faire une deuxième. Bon bah écoute, tant pis. Non, pas plus! C'est tout! Vas-y, il faut la finir, tu vas bien lui mettre 6. Yay! Ok. Oh lui il est plus qu'à 10 points de vie. Mais on a plus d'antidote en plus. On a plus d'antidote. Et on peut pas se. Et il peut pas manger, j'imagine, pendant le combat. Bah non. Bah non. J'ai pas de quoi fabriquer du soin, quoi. Ouais, bah j'en connais un qui va mourir bientôt. Parce que 22 et lui 40. Est-ce que ça, du coup, il peut pas le mettre là? Drag and drop on a web. On a web. Vas-y, j'ai un poison. Use un point. Et maintenant, tu nous les empoisonnes. En fait, vu qu'il y a du poison, ça sert à rien de... Il faut juste qu'il touche. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Eh ben, tout ça pour ça. Ouais, ça commence à être chaud là. Alors on a dit, ouais, attaque rapide. Hein. Pour qu'il puisse en faire deux par tour. 7,
Et 12. Allez, un mort. Ouais, bah il va mourir du poison au prochain tour, lui, comme ça c'est fait. Et moi je sers toujours à rien. J'ai même pas tué une araignée depuis le début, que l'autre il en est déjà à 2 kills. Allez, mais fais quelque chose quoi. Ah, coup critique. Eh ben. Ok, et eh ben il va s'en sortir, 2 x 5, ça passe ça. Boink. Boink. Oh non, 1 HP. Oh là là. Mais ça compte comme une épée ça? Ah, 1 HP, je suis quand même déçu. Hein. Bon, tant pis. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il touche rien lui. Est-ce qu'il est un point de néa? Ça sert à que dalle en vrai. Que dalle. Bon, moi je prends pas de poison comme ça. Une catastrophe. Un point de dégâts. Allez. Pas de poison. Un peu déçu si j'étais empoisonné. Crotte. 7. Ah bah voilà. 4. Bon. La musique est vraiment super bien, moi je m'en remets pas. Hein. Là il peut se mettre là, là. Ok. Lui reste 22 et elle 30. Bon bah on est pas trop mal je pense. Ok, cool, blessé. Jean-Jacques qui nous l'a fini là. Stylé. Il se déplace. Ah, c'est pas le moment de se prendre des coups hein. Là. Boink. Ah, j'aurais dû faire une grosse attaque vu que j'avais plus de points. Boop. Boop. Contre-attaque. Boink. Boink. Pouh. Eh ben. C'était pas marrant. Hein. Eh ben que. On t'aime bien mais on récupère ton stuff. Et du coup, ben. Alors attends. Eh ben, vas-y, ramasse. Cool. Hop. Et là-bas au fond du coup il y a des morts. J'imagine que c'est le loot. Yay. Une petite dague avec du bonus. Et ben. Ouh. Une armure. Asie. J'achète. Et ça, c'est compte, ça compte comme un marteau. Et bah tant mieux parce qu'on est fort au marteau. C'est combien ça? 4, 9, 7, 10. Et en plus, c'est une meilleure arme. Ok. Et du coup, genre une dague, bah vas-y. Bah, fais-toi plaisir. 5, 8, 3, 6. Ouah. Hop. Ça, ça compte comme quoi? Comme une hache. Et ça comme une dague. Bon allez, la dague.
Ben voilà, plutôt pas mal. Et Marcus, qu'est-ce qu'on a goûté d'autre là? DR2, DR2, ça en a. Sa potion et son filet, et ça c'est cool. Ça c'est un machin pour faire des poisons. Ok. Y a rien d'autre à looter là, par ici? Non, bon. Et bah, y a plus qu'à rentrer à la maison. C'est quoi ça? Ah, c'est ça que ça servait, les bombes. J'ai pas vu. Enfin, si j'avais su. Là, ici. Là. Là. Ah, on peut plus grimper dans l'autre sens. C'était la sortie, en fait. Voilà. Et là, on peut sortir. Oui, lui, on l'a vu. Aïe. On devrait plus croiser trop de monde en sortant, j'imagine. Ah, il y a un autre trou ici. Quoi y a dedans? Gna 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 gna. Oh, bah, cool. C'est quoi qu'on a ramassé? C'est ça? C'est quoi? Une hache? Ouh! 7-10, alors que ça c'est une... Stylé? Il est stylé. Eh ben chouette, eh ben attends, c'est par là la sortie de toute façon. Oui. Et là, il y a quoi? Des cailloux, on s'en tape. Bah là, un explorateur, on l'a même pas vu en passant. Ah bah, des antidotes, ils nous auraient bien servi. Une épée et des trucs chouettes. Merde, c'est con qu'on l'ait raté. Ah oui, c'est à cause de ça. Hein. Oh non, des fourmis. Ok. Vous entendez des bruits de pas devant vous. Et en fait, c'est pas du tout des gentils, c'est des méchants. Et ils veulent le loot à notre place. Ouais, ben chaud. On n'a pas eu le temps de se soigner en plus. Drink. Drink. Bon, ben on peut pas se soigner. C'est la merde. C'est la merde, ils sont deux à l'épée. Allez, avec un peu de chance, ils sont nuls. J'espère que je veux pas mourir là-dessus parce que je l'aurai un peu mauvaise. Hein. Ah bah non, attends, allez, vas-y, on essaye une première fois. Et si on se fait défoncer, on passera au... Ah. Si on se fait défoncer, je rechargerai la partie. Vas-y, je vais me mettre là comme ça. Hop. Péché qu'ils puissent pas se soigner avant. Ok, go. Attendre. Ah ouais, ben cherche pas, on se fait défoncer. Donc, on a attendu, c'est le moment où on réplique. Boink. Boink. Et là, bah, go. Donc, ah, voilà. Ah, dodge. Oh, mais il va se faire défoncer. Mais. Allez, yay. Bah, coup critique, c'était bien la peine, hein. Oh, il va forcément se faire toucher le tour d'après. Vas-y.
C'est toi le champion. Encore une. Oh. Énorme. Mais il peut vraiment pas se soigner du tout. Il a un PV quoi. Je me mets là, ça fait 4. Je peux faire une grosse attaque sur lui après. Vas-y. Oh non, il rate. Oh, essayez, tout le monde rate et c'est la fin. Attaque d'opportunité. Ouch. En vrai, si on s'était soigné, on les aurait défoncés. Vas-y, je vais faire ça. Save load. Ouais. Donc, last combat. Attends. Je vais finir le combat, je vais sauvegarder. Ah non, mais je vais m'en sortir tout seul là, si. On va voir. Arrête de tout dodge! Ok. Ah non, je peux pas m'en sortir. Mais arrête! Ok, un mort. Faut plus qu'il y ait une attaque qui touche, quoi. Je suis à 4 points de vie. Merci, les gars. Ouais. Rip. Eh ben, j'espère que c'était la bonne... C'est la bonne sauvegarde. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Parce que celle-là, c'était avant le boss. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, 23h, c'est une belle heure, on va aller se coucher. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est du bon RPG tour par tour, ça fait plaisir, la musique est chouette et tout. Le mécanique, une fois que tu les as en main, c'est plutôt simple. Je continuerai peut-être un peu dans mon coin, mais ça a l'air... Ça a l'air bien galère quand même, mine de rien. Bon, allez. Je vais me coucher moi parce que je suis fatigué. Bonne soirée. À plus tard, salut.